Madame Lornano. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Ma première question porte sur l'application du règlement REACH et la complexité donc des procédures d'évaluation des risques par les entreprises. On sait qu'il existe un effet pervers par lequel certaines d'entre elles sont tentées d'opter pour des produits moins complexes, voire de retirer des produits avant même leurs enregistrements. Donc, de quelles mesures disposez-vous afin de contrer cet effet? Ensuite, ma deuxième question donc, concerne la gestion du personnel au sein de l'agence. Je sais que vous êtes tenu de respecter des objectifs précis de réduction du personnel. Pour autant, aucune dotation n'est prévue pour couvrir les tâches liées à la question des perturbateurs endocriniens. Peut-on savoir s'il s'agit d'un arbitrage et le cas échéant, comment se justifie-t-il? Voilà, je vous remercie pour vos réponses.